compte pas, j'ai la célébration comme tu peux le dire. Ça concerne les crimes rituels. Vu tout ce qui se passe dans le pays, avec ce que nous entendons passer, ce que nous voyons aussi, ce que nous constatons, on tue les gens, surtout les jeunes filles. Surtout les jeunes filles. C'est pas un vrai sur le sens des fétiches. Et ça embrasse tout le pays. Ça a commencé à prendre dans toutes les villes du Bénin. Et donc, en tant que l'église, puisque tout le monde ne croit pas que c'est Dieu, déjà, tout le monde sait que Paname, c'est une église, que nous sommes là, où nous travaillons, nous faisons, comment dire, notre travail spirituel. Et donc, il faut, c'est une messe de purification pour le pays, pour que les Béninois soient à l'abri de ces crimes rituels-là. Ça n'a pas de responsabilité dans ce qui se passe. Il faut que nous fassions quelque chose pour que ces gens-là, ces actes diaboliques puissent progresser. Voilà. Nous sommes là depuis 9 mois, c'est ce que nous combattons. Et c'est même pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez parler de ça. Sinon, avant, c'était dans l'ombre, personne n'était au courant. Donc, à chaque fois que d'abord on envoie le feu, à chaque fois que nous nous rassemblons les nuits pour prier, pour envoyer le feu, pour déverser les grâces et tout, c'est pour que tout ce qui est tapis dans l'ombre puisse se révéler au grand jour. Et je me rappelle, si la Bobiotie se rappelle bien, en décembre dernier, j'ai prévenu les Tabobi que cette année sera encore, comment dire, terrible. Parce que les forces du mal vont vraiment se réveiller. Parce qu'ils n'ont plus la paix dans le monde des ténèbres. Et donc, ils veulent des poids. Donc, ils sont en train de tomber sur tout le monde comme ça. Ce que moi, j'ai à dire aux Béninois, c'est d'abord, j'appelle d'abord les parents à prendre leur responsabilité. J'invite tous les parents à prendre leur responsabilité. Parce que si les parents démissionnent en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, franchement, ça ne va pas nous aider. Puisque c'est les jeunes filles que les gens tuent. C'est ce que nous constatons. Les jeunes filles, les jeunes femmes, les jeunes dames, que les enfants, que les parents éduquent leurs enfants. Parce qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans ce qui se passe. Nous faisons le spirituel. Et nous ne pouvons que faire le spirituel. Nous ne pouvons pas passer de maison en maison pour dire comment éduquer les enfants aux parents. Donc, à chaque parent, à chaque père, à chaque mère, de savoir comment prendre, comment tenir sa maison, comment tenir ses enfants, pour que ça puisse aussi nous aider, comment dire, éveiller la conscience des enfants, leur parler, leur donner des conseils à tout moment pour qu'ils ne tombent pas dans ces pièges-là. Et la deuxième chose que je dirais à tous les Béninois, c'est de beaucoup prier. Beaucoup prier. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour décourager ça. Pour décourager. C'est notre combat. Et nous savons comment nous allons le mener. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire aux Béninois. Je les rassure que, en tout cas, nous faisons ce que nous avons à faire. Mais à eux maintenant de conscientiser leurs enfants et de prier aussi. De savoir que Dieu est déjà là. Et que ça ne vaut même plus la peine de courir par ses pas. Beelzebub, c'est le diable. Donc, c'est fini. Ça veut dire que tu es à la fin, Seigneur. Ça dit, tu ne peux plus rien. Tu ne peux plus rien, nous sommes finalement sauvés. Et comment dire, tu ne peux plus nous avoir. Ce slogan, ça traduit beaucoup de choses. C'est pour dire que nous approchons la fin. Nous approchons la fin, ce que vous ne pouvez pas entendre, ce que personne ne veut entendre. Parce que ça fait peur. Mais malheureusement, c'est la triste réalité. Ça fait peur, mais on est obligé d'en arriver là. Pour que le monde soit soulagé. Vous voyez maintenant, on parle de crimes rituels par-ci et par-là. Tout ça, c'est le diable, c'est démoniaque tout ça. Donc, on ne peut pas croiser les bras et laisser le diable exterminer les âmes. On ne peut pas. Vous avez entendu, non? Il y a une dame qui criait, qui demandait au chef de l'État de venir au secours. C'est vrai, j'en profite pour dire au gouvernement de prendre aussi ses responsabilités et de faire ce qu'il peut faire pour décourager ça. Nous faisons notre part. Le gouvernement aussi n'a qu'à jouer sa partition.
les parents aussi n'ont qu'à jouer leur partition. Je crois que ça va. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le mieux-être de notre pays. C'est pour que le Bénin retrouve la paix. Pour le Bénin retrouve la paix. Nous avons beaucoup de Bénin. Nous ne voulons pas que nos enfants meurent comme ça, sans, comment dire, sans aide. Le slogan, c'est pour dire que c'est la paix. La paix approche.